gens qui viennent pour voir les lieux, vous remarquez comme moi que c'est quand même magnifique, ils s'arrêtent ici ou ils s'arrêtent de l'autre côté. Il faudrait qu'on puisse circuler aussi. Donc ça concerne les randonneurs avec des enjeux en termes de tourisme. Ici, on est quand même sur un endroit qui est superbe. Il faut le mettre en valeur. Voilà. Donc le deuxième point, c'est éventuellement un de ces quatre, réaménager ce pont, cette passerelle. Mais là, ce qu'il faut, je pense, saisir, c'est l'occasion de faire quelque chose aujourd'hui sur ce pont, comme on l'a fait sur le pont Saint-Christophe, par exemple. Donc, merci encore d'être venus si nombreux, et on espère que demain, le conseil départemental va essayer de nous contacter pour qu'on rentre dans une phase de concertation sur ce sujet, ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent, à mon sens, quoi. Donc là, pour ceux qui ne veulent pas rester, ben, vous pouvez éventuellement retourner vers vous, autrement, vers vos endroits d'origine, mais autrement, ce qu'on avait prévu, c'était une circulation sur le pont. Maintenant, ce qu'il faut, c'est viser la sécurité essentiellement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un tour, ce qui permettra de faire une belle photo, un tour de pont. Là-bas, il faut descendre à pied pour traverser. Et ici, vous pouvez passer sous le pont, là, il y a un petit tunnel. Voilà. Donc, on peut faire comme ça une rotation, et puis après, chacun pourra retourner vers... Pour lui, le Mekili, Kenbo ou Lorient-Lanester. Merci encore. Bravo.